Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Monster Hunter Rise. Donc, j'ai des excellentes nouvelles pour vous. J'ai fait l'acquisition d'objets qui conviennent parfaitement à vos innombrables prouesses. Chacun d'entre eux vous sera sans nul doute de plus grande utilité. Je vous recommande fortement de considérer d'en faire l'achat. Eh ben... voyons ce que tu as à proposer. La loterie. Alors, lorsque vous revenez d'une quête, il arrive qu'il y ait des promotions au marché. Durant celle-ci, la plupart des objets sont à moitié prix. Chaque achat s'accompagne en outre d'un ticket de loterie. Ok. Vous pouvez utiliser des tickets de loterie ou des zénis pour participer à la loterie et peut-être gagner un prix. Il y a beaucoup de bibelots à gagner. Ah, c'est cool ça. Que vous pouvez utiliser pour découvrir votre chambre. Alors gardez un œil sur les promotions du marché. Parfait. Ok. Ouais, directement dans le coffre déjà. Déjà on va en profiter pour acheter de la, des potions. On va en prendre 50, je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai besoin du reste ou pas? Non, pas vraiment. Dans la sacoche. Bon, je suis bien dans la sacoche. Loterie. Donc j'ai pas de ticket. Et statue Ojo d'or pour le grand prix. Ah, c'est 500 zénis quand même. Hein. Ah, c'est rigolo. Méga potion. Potion, kit de piège. Ok, d'accord. Ah, on peut participer qu'une seule fois pendant les soldes. Ok, d'accord. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le chambellan, enfin le scénario, le postier. Il y a du nouveau contenu additionnel. Ah bon? Contenu additionnel. Ah bah non. Ah si, le pack d'objets. Ah oui, pour avoir fait la démo. Bon bah voilà, c'est bon. Comme ça au moins c'est fait. Est-ce que c'est directement dans... Non, c'est directement dans le coffre, c'est très bien. On va parler à Yomugi. Merci d'avoir éliminé le grand Izushi. Les ingrédients ont été livrés sans encombre. Inoue était si soulagé. Se faisait un tel mouron. D'ailleurs, mon fournisseur a dit quelque chose d'étrange avant de s'en aller. Une présence étrange au temple oublié qui apparemment n'est pas liée à la calamité. D'accord. Ça m'a un peu fait peur. Le temple est déjà suffisamment glauque comme ça. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, prends ça en remerciement pour ton aide. A bientôt, j'espère. Oh, des tickets d'Ango, cool. Je te remercie d'avoir secouru mon fournisseur, mais je repensais à ce qu'il m'a dit. La présence... temple oublié. Je me demande ce qu'il a voulu dire. Des fantômes? J'espère que non. C'est vrai que jadis, un dieu célèbre résidait dans ce temple. Intéressant. Les monstres ont totalement détruit le temple. Le dieu n'y est plus, à mon avis. Peut-être qu'il y a bien des fantômes, en fait. Ok. Tu as commencé à accepter des quêtes au grand camp, il paraît. C'est Otomei, la chef, qui gère le salon de thé là-bas. Une vraie artiste. Elle m'a tout appris. Elle m'a aussi aidé pour la recette des dango lapins. Nos menus sont pareils, mais le goût est un peu différent, non? Ok, on va essayer de voir... Y a pas moyen de faire la cantine? Kinako et Shiratama foncent de délicieux gâteaux de riz. Kinako est une pro, alors que Shiratama vient juste de commencer. Shiratama a beaucoup de talent et a une mentor d'exception. Quoiqu'elle puisse être un peu stricte parfois. Mais elles s'entendent très bien. Elles sont très proches et sortent souvent pour manger ensemble. Ok. Ok,
est-ce que... Nous de chasse. Se déplacer dans le village. Donc il y a des gens qui veulent me parler. Fuyen, c'est déjà bon. Ananga. Non, Anand. Ah non. Anand. Ané. Anenaga, le grand chasseur. Ok. Déjà entendu parler des grands phylloptères? Bah, c'est des phylloptères, mais en plus grand. Et leur fil est super solide. En gros, si t'en chevauches un, t'iras beaucoup plus loin qu'avec un phylloptère normal. Le hic, c'est que leur taille les rend plus difficiles à contrôler. Et ils restent près des lys précieux. T'en mets un par terre et zou. Tu fonces où tu veux. Et à ton retour, il est toujours là. Ça t'intrigue, hein? Bon, allez, tiens, des grands phylloptères rien que pour toi. Comme ça, j'aurais fait ma bonne action. Essaie-le la prochaine fois que tu vois des lys précieux en chassant. Crois-moi, avec ça, tu vas filer comme une flèche. 11 grands phylloptères, c'est cool ça! Parfait! Est-ce que. Ok, visiblement, j'ai parlé à tout le monde, donc là, on va aller à la place du poil. Eh, mais c'est mon chien, ça! Trop bien le monstre, enfin le statue, enfin, le mannequin d'entraînement. Oh genre il y a un sous-marin. Excellent. Alors, Shirube, ah ouais, Shirube, l'expert pile poil. Bienvenue et chalutations. Miaou, je suis Shirube et je gère la place pile poil. Maintenant que tu as rejoint les chasseurs, tu es la bienvenue à la place pile poil. Iori, l'assistant pile-poil, t'expliquera tout ce qu'il y a à savoir sur les pile-poils. Si tu recrutes un pile-poil, tu pourras compter sur un fidèle compagnon pour t'aider au combat et à la chasse. Kogarashi, le chef féline, est à la tête des meilleurs poussonnaires. Tu peux compter sur les pile-poils que tu as en réserve pour chercher des matériaux pendant que tu chasses. Ce bateau va à l'air d'entraînement. Quoi? Être chasseuse ne veut pas dire que tu n'as plus besoin d'en t'entraîner. Et Rondine est une marchande qui vient d'une contrée lointaine. Ok, contrée lointaine. Les chasseurs ont tous besoin d'un bon stock d'objets. Quoi que tu cherches, elle a sûrement ce qu'il faut. Ici, tu trouveras le tableau pile-poil où tu peux gérer tes pile-poils. Il y en a un peu partout au village, t'en as eu. Si tu recrutes des pile-poils auprès de Iori, tu peux les gérer ici. Bref, ici, les pile-poils s'entraînent à s'en décrocher les coussinets pour devenir plus forts. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu ailles parler aux autres. Ok, parfait. Commencer à discuter avec... Ouais, du coup, il y a... Tetranadon. Salut Raven, il paraît que tu es devenue chasseuse de Kamura à présent. Félicitations. Bienvenue chez l'assistant pile-poil. Ici, tu pourras recruter de loyaux pile-poil pour tout. Pour t'accompagner quand tu iras chasser. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Ils ont tous hâte de t'accompagner sur le terrain. N'hésite pas à passer si tu as besoin de quoi que ce soit lié au pile-poil, ok? Donc ça peut être recruté et tout. Logique, ouais, c'est jusque-là pas de problème. Ouais, donc les chats qu'on peut recruter. Un peu comme dans les anciens jeux en fait. Donc c'est bien. Ah oui, après c'est vrai qu'il faut. Ah oui, du coup il y a les. Ils ont pas les mêmes attaques.
Il va falloir, gérer un peu la situation. On va essayer d'en prendre un. On va pas les renommer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chien? Ouais. Ah, il est pas mal. Ok, typhon, caramel, c'est plutôt pas mal. Oh, cadence, il a une bonne, bouille. Du coup, ils ont, par contre, ils ont les mêmes techniques. Y a rien. Ah, c'est plus ici que ça change. Qui va bill, ça a l'air pas mal. Il a l'air bien lui. On va prendre lui. On va le laisser comme il s'appelle. Ok. Ah oui, on peut... Ouais, ça, il va falloir que je le fasse en... Il va falloir que je le fasse en off. Hein. Et qui encore on peut aller voir. Kokarashi, le chef féline. Raven, alors comme ça, tu rejoins les chasseurs maintenant. Je me nomme Kokarashi, je suis en charge de tout ce qui touche aux félines au sein du village Kamura. J'ai été le palico de Fugan l'Ancien durant maintes chasses et maintenant je gère les miaoursonnerres. Si tu veux en savoir plus sur les miaoursonnerres, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Que notre alliance puisse traverser les âges. Ok. C'est pas encore prêt, mais dès que ce sera le cas, je te ferai prévenir, c'est promis. Ok, d'accord. Bon. Alors l'hôtel, le sceau du temple n'a pas encore été brisé. Ok, donc ça, ce sera pour plus tard. Un peu comme dans le même délire que la que l'épée du héros. Il y a une bouette. Remède d'herbe, kit de piège, ok. Vous n'avez rien trouvé, ok, c'est valable une fois à chaque fois. Ok. Wow, 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 wow. Ok. Putain, c'est beau quand même, hein. Putain. On a vraiment le côté Yukumo. Hein. Ça y est, nous sommes prêts. Prêts pour le commerce le plus génial que nous pourrons jamais entreprendre. Premièrement, tu empruntes ce sous-marin pour, par exemple, envoyer un pile-poil récupérer des objets sur des marchés lointains. Je sais pas comment t'envoies le chien, mais bon. Admettons. Deuxièmement, tu peux aussi acheter mes marchandises sur l'Argosy. Je vais y entreposer... Non, pardon. Ah si, si, c'est entrepôt CD, mais en fait, il y a un R en trop. Ah non, entreposer... Ah oui, en fait, il y a l'espace. Je vais y entreposer des objets rares à Kamura. J'accepterai des points Kamura pour le paiement. Réfléchis bien et ensuite fais tes achats. Repasse me voir quand tu voudras profiter des merveilles du voyage et de mes marchandises. Donc c'est le bateau, comme d'habitude... Il y a beaucoup de trucs visiblement. Alors le filet, pas grand chose pour l'instant. Et au marché,
pile poil acheter les objets qui vous intéressent. Ah oui, donc on peut donner des objets pour qu'ils puissent... Ouais, parce que le miel c'est important. Ah, on peut pas envoyer... Ah oui, de toute façon on peut en sélectionner qu'un. Ok, on peut confirmer. Pouvoir esquiver les gros monstres aussi pendant la traversée. Eh, parce que on n'y pense pas, mais c'est quand même un peu compliqué. Alors, discussion, qu'est-ce que t'as à dire? Petite calamité, c'est vraiment terrible. Cette terre ne mérite pas ça. C'est le destin qui me fait venir ici, à mon avis. Alors, je vais m'installer dans la région pour quelques temps. Si ton village et toi, vous voulez repousser ces monstres, mes marchandises vous seront utiles. Ok, parfait. Très bien. Du coup, on a fait le tour. Est-ce qu'il n'y a pas un mode de chasse, bien évidemment. Je devrais le faire en 1000 fois. Il y a la chambre, il faudrait aller voir. Ah oui, donc le tableau. Le chambellan. Miaoudam, l'argosy est désormais prêt à être personnalisé, n'est-ce pas? Ah ouais, on peut le personnaliser, bien que mes talents d'assistant soient bien inférieurs à votre incommensurable respect pour les autres cultures. Inspiré par vos prouesses, je suis parvenu à un arrangement pour pouvoir faire des échanges avec l'argosy en votre nom. Je ne suis peut-être qu'un humble chambellan, mais je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Ok. Dojo pile poil, aussi désormais accessible. Ok, d'accord, c'est pour pouvoir faire ça directement depuis la chambre. Oh, Fukashigi l'informateur. C'est moi, Fukashigi l'informateur à ton service. Très bien, il est temps maintenant de te révéler le second sombre secret de Kamura. Fugan l'Ancien est en fait un grand fan de Ibouette. D'accord, il en a même trois. Ishio, le frère d'armes, Nim, la commère, et l'éclaireuse en chef, Sandra. Comme par hasard, Ichi, Ni et Sam. Ishio s'est battu aux côtés de Fugan l'Ancien quand il était encore chasseur. Ils ont pris leur retraite ensemble. Fugan l'Ancien traite ses hibouettes comme sa famille. C'est beau. Ça me donne envie de ronronner. J'en ai la queue qui frétille. Calme-toi. Bref, je t'en dirai plus quand tu auras terminé la quête urgente de Inoa. Ok, au revoir. Qu'est-ce qu'on a dit ? Le bivouac. Ah, c'est lui qui gère les quêtes d'arène. Oh purée. Ah bah oui, ça m'étonne pas en même temps. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de dispo, mais en fait non. Ah non, mais je suis pas... C'est par où ça? Ah oui, d'accord, c'est... Ok, ouais, c'est considéré comme la chambre en fait. Nakago, le forgeron. Ouais, donc c'est le forgeron pour... Ok, parfait. Donc on est bon. Assyrie pour... Ah, par contre, il n'y a aucun temps de chargement pour passer d'un endroit à l'autre dans le village, ça c'est bien ça. Du coup, on va continuer les quêtes de village. Niveau 1, on avait tout fait. Donc là, on a. Donc là, Washira. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il y en a 3 à faire. Et ben, on va commencer par la Washira.
J'ai juste vérifié que j'ai pas de quoi améliorer l'armure, enfin l'arme. Mâchoire en os. Ah, les... ouais, ça aussi pour améliorer les armes de dragon. Enfin, les armes de... en os. Ok. Ah, il y a une. Cimetière envolvant. Il me manque la queue en Izushi. Ah, elle a un peu d'affinité. C'est bien ça. Elle me manque des ischiums. Oh, c'est bizarre, les ischiums ils sont blancs maintenant. À la base, ils sont bleus. Bon. Et bah, c'est parti. Alors, les ischiums, ce sera dans l'autre. Dans l'autre quête. Enfin, dans l'autre map, pardon. Ah oui, les fameuses présentations. Le pauvre. Oh, c'est ce gros plan. Non mais ça c'est plus le début de jeu. Cette tête. Alors non, c'est plus les vidéos qui correspondraient à ce à cette description. Du coup, je sais pas ce qu'ils vont dire pour lui. Ok, parfait. Ah mince, je me demande si je devrais pas faire la broche puisqu'il faut faire le steak. Alors. Parfait. Je sais plus combien il en fallait pour... Le chien il est impatient. Mince. Ok. Allez, c'est parti. Ah. Il faut pas que je fonce trop non plus parce que il faut que je récupère les objets aussi. Ah bah tiens, là le... Il vient pile ici. Parfait. Bravo. Oh mais c'est pas vrai. Ah dommage. Oh zut. Aïe 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 aïe. Mince, qu'est-ce que je fais? Oula oula. Je panique un peu. Bah.
Oula. C'est une blague. Ah, pas parfait. On va aller voir. On va aller voir le grand Izushi. Il est un petit peu loin, mais ça devrait faire. Ah zut! Bon bah. De toute façon, il va mourir. Allez, au revoir. Non, même pas. Oh, tristesse. Ah zut! Mal visé. Ah bah voilà. Parfait. Essayer de trouver des endroits où miner. Ce qui va pas forcément être évident. Oula. Déjà ça. Mission complete. Le mission complete en, en japonais. Ok, pas mal. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode de Monster Hunter Rise. On va pouvoir attaquer les autres monstres pour la prochaine fois. Ça nous aura permis de visiter un petit peu le camp. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse.